vais vous conduire à votre chambre. Allons, faites une bonne nuit. Oh, mais dites donc. Vous êtes fort? Vous me logez à côté de vous, comme ça? Un galérien? Et qui vous dit que j'ai pas tué? Cela regarde le bon Dieu. Il a volé les couverts d'argent. Aussi, a-t-on idée, monseigneur, de recevoir un homme comme ça? Oh, quel bonheur encore qui n'est fait que voler! Oh mon Dieu, mais c'est à faire frémir quand on y saute! Entrez! Monseigneur, nous venons, monseigneur. C'est un évêque? Vous avez arrêté cet homme? Vous vous êtes mépris, ce n'est pas un voleur. Les couverts, c'est moi qui les lui ai donnés hier soir, avec deux chandeliers d'argent. Il est très pauvre et je n'avais rien d'autre à lui donner. Pourquoi n'avez-vous pas emporté vos chandeliers? Madame Magloire, allez les chercher. Il va travailler à Pontarlier. Laissez-le. Comme ça, nous pouvons le lâcher? Vous le devez. Voici, mon ami. Allez-en, après. Si vous passez par ici, un jour, vous serez toujours le bienvenu. La porte de la rue n'est jamais fermée qu'au loquet, jour et nuit. Et maintenant, je peux vous souhaiter bonne chance. Car je sais que vous emploierez cet argent à devenir un honnête homme. J'en suis sûr. Au revoir, mon ami.